好，接下来我们将有请湖北省图书馆馆长、法国文学周组委会主任汤旭岩先生主持讲座，请南京大学教授、著名法语翻译家许军先生担任翻译。And later we will please welcome our Toastmaster, Director of Hubei Provincial Library, Mr. Tang Xuyan, and Professor of Nanjing University, Mr. Xu Jun, as the French translator. Welcome. Listening to the voice of thought, bathing in the sun of wisdom. Everyone, good morning. Welcome to the Changjiang Lecture.60多年前，湖北省图书馆的讲座正是从文学主题开始的。武汉高校的教授们、中南作家协会的作家们来讲中国文学、俄罗斯文学，开启了以文学为桥梁架起交流平台的序幕。近年来，随着长江讲坛的建立和开展，国内外的文学专业教授、专家、文学编辑和评论家纷至沓来，或演讲，或对话，与读者们互动，使桥梁越来越宽阔，越来越多元。令人高兴的是，今天我们又迎来一位文学界的重量级嘉宾，2008年诺贝尔文学得主，法国作家勒克莱齐奥先生。半个世纪以来，勒克莱齐奥先生几乎每年都有作品问世，涵盖小说、散文、翻译。他用法语写作，不懈地探求字里行间的韵律和节奏，表达人的情感中本能的情感的东西。他的目力所及，远至法国以外，笔下有外省小城里年轻人的精神世界，北非沙漠文明的壮观图景，以墨西哥山谷为背景的乌托邦式理想国，美洲印第安文明。很多故事发生在异域，但直抵读者内心的不是风情画，而是深刻的来自不同文明、不同文化的声音。而这正是我们在文化交流中从心理上、从灵魂里交朋友所需的必要前提，那就是了解和尊重别人的价值。记得勒克莱齐奥先生曾说，他自己像一面鼓，是把自己感受到的震动表达出来。他也喜欢作品是记忆之树的果实的比喻。那么怎样的个人经历滋养出如此丰厚的文学境界，而又如何看待文学和人生这个既宏大又具体的命题？下面让我们欢迎勒克莱齐奥先生演讲《文学与人生》。许军先生也是勒克莱齐奥先生的老朋友，也是勒克莱齐奥先生作品的重要翻译者。再次用掌声欢迎二位。Bonsoir, je voudrais d'abord présenter mes remerciements sincères. Je ne sais pas si on entend. Oui. Présenter mes remerciements très sincères à la bibliothèque de la province de Hubei et également à l'association des écrivains de Hubei et en particulier à Monsieur Tang Xuyan pour son accueil et à Madame Fang Fang.哎，大家好，首先我要感谢湖北省图书馆，我要感谢湖北省作家协会，我要感谢汤馆长还有芳芳主席。Je voudrais remercier Madame Fang Fang pour son très beau discours. Mais il n'y a pas un micro. Si. Mais ça suffit. Oui.
Je vais parler plus fort. Ouais. Je voudrais remercier Madame Fanfan pour son très beau discours dans lequel elle a mentionné le Comte de Monte Cristo. Il se trouve que c'est un des premiers livres de la littérature que j'ai lu aussi. Et je me souviens de l'amour de Edmond Dantès pour Mercedes. Et c'est, pour moi, c'est resté marqué dans mon esprit. Donc, la littérature est vraiment universelle puisque Madame Fanfan et moi-même, nous avons lu le même livre au début de notre lecture.他特别喜欢刚才芳芳主席在开幕式上的发言。芳芳说，他最早的读的法国的第一部小说是《基督山恩仇记》，他恰恰对于我来说，这部书也是我最早的阅读之一。他忘不了《基督山恩仇记》里头那个主人公当戴斯对麦克塞德斯的那个爱情，这充分的证明了文学是没有国界的。 Est-ce qu'il ne faudrait pas que j'aille parler là-bas? Non, ici, c'est très bien. On n'entend pas. Très bien. On entend très, très bien. On entend. Bon. Oui, oui. La littérature et la vie. Le beau thème qui est proposé par M. Sun Xun, mon traducteur et ami, collègue de l'université de Nanjing, pour cette rencontre de Wuhan, prend un sens très particulier pour moi, qui suis entré dans ma 76e année, c'est-à-dire à un âge où l'on sait de façon instinctive que la fin du chemin est assez proche. Non pas que ce sentiment me remplisse de mélancolie, ni que j'éprouve de la moindre façon de la nostalgie pour mes jeunes années. En vérité, assez paradoxalement, je garde, en dépit du temps passé et de l'accumulation des pages écrites, toute ma confiance en la littérature, car il me semble qu'elle est pour moi davantage une porte ouverte qu'un accomplissement, une route sans fin plutôt qu'un chemin accompli. 文学与人生 为武汉这次盛会准备的这个演讲的这个主题非常的美，这是我南京大学的同事，我的译者与我的好朋友许军先生给我建议的。我已经很快步入人生的第76个年头，这个主题对于我而言，于是就有了特别的意义，因为人到了这个年纪， 人就会本能地感到人生的终点已经逼近，倒不是说这种感觉让我感到格外的忧伤，我也并不是因为感怀青春的时光。事实上，与这点相当矛盾的是，尽管时光的流去，尽管我也积累了很多的文字，我依然对文学 充满信心，因为在我看来，文学更像是一扇打开的门，它不是某种成就，它是一条无尽的长路，而不是一段已经走过的一段人生的路。L'écrivain anglais Oscar Wilde, auteur du poème La Ballade de la geôle de Reading, qui s'y connaissait en matière de sarcasme adressé à ses contemporains, avait coutume de répondre à ceux qui l'interrogeaient sur sa jeunesse d'esprit. « Pour rester jeune, disait-il, c'est très simple, il suffit de recommencer les mêmes erreurs. » Il y a un英国作家叫王尔德，这位作家特别精于讽刺的自道，他也是大家所熟知的《瑞丁监狱之歌》的作者。他同时来的人，很多人都会问他为什么他老是精神不老。 D'une certaine façon, la littérature est l'incarnation de l'incertitude et de l'ignorance. Si l'on considère l'histoire littéraire du monde, on découvre qu'elle ne fut le remède à aucun mal et qu'elle ne sut jamais nous préserver des dangers de l'existence. Pourtant, chaque fois que le besoin s'en fit sentir, la littérature fut un puissant levier pour soutenir le combat des hommes pour la justice, pour l'espoir d'une vie meilleure. C'est cette part humaine de la littérature, avec ses contradictions et ses imperfections, qui nous convainc et nous donne un avenir. Les textes qui nous touchent aujourd'hui
même lorsqu'ils ont été écrits pour d'autres temps et d'autres lieux, sollicite en nous la part la moins logique et la moins réaliste. 从某种程度上来说，文学实际上体现的是不确定和无知。如果我们去回看一下世界文学的历史，我们就可以发现，文学绝对不是任何痛苦的解药，也从来没有能够为我们抵抗生命的危险。但是每当感到需要的时候，文学却又能成为一种有力的杠杆，给人力量去为正义而斗争，给人们以希望去争取更加美好的生活。虽然充满矛盾，而且形式也不完美，但是文学却恰恰以其表现出的人性，让我们有坚定的信念，为我们指出未来的道路。我们今天读来依然感人的文字，哪怕是前人为别的时代、别的地方所写的，召唤的是我们每一个心中最不逻辑、最不实际的那一部分。Les héros des grands romans et des épopées ne sont pas des modèles. Ulysse, le héros de l'histoire des Grecs anciens, est un menteur, rusé et cruel lorsqu'il le faut, qui abandonne la paix de son foyer et condamne sa femme au malheur pour le simple plaisir de courir le monde. Tristan, le héros de la geste celtique, est un séducteur qui n'hésite pas à rompre ses vœux monastiques et se livrer à la magie pour arracher Iseux à son mari légitime, le roi Marc d'Irlande. La geste d'Arthur tresse une couronne au chevalier Lancelot, qui ne vaut guère mieux. Il s'introduit de nuit dans la chambre de Guenièvre et commet une double trahison dans l'adultère et dans la confiance de son roi. S'il choisit enfin de se déprendre de la femme qu'il a séduit, c'est davantage pour sa paix intérieure que par amour de la vertu. 历史上那些伟大的小说还有史诗，这些小说和史诗当中的主角从来就不是一种道德的模范。像古希腊故事中的主人公奥德修斯，他就是个骗子，必要的时候很残忍，而且也很狡猾，仅仅为了周游世界，他便弃家庭安宁于不顾，让妻子饱受磨难。像《凯尔特武功歌》当中的主人公特里斯丹，他就是个诱惑者，毫不犹豫地违背教会的誓言，听凭自己沉迷于魔药之力，一心只想把伊苏尔德从她合法的丈夫，就是爱尔兰的马克国王当中抢到手。还有大家都很熟悉的《亚瑟王传奇》，传奇当中拥戴的那位骑士兰斯洛特也好不到哪里去，他在半夜潜入归尼威尔的闺房，犯下了双重的背叛，寄情了奸夫，又辜负了国王的信任，就算他最终选择抛弃纯真引诱的女人，主要还是为了自己的心安，而不是出于对于道德的敬重。Même le roman le plus imprégné de morale dans la littérature française, ce serait le célèbre La princesse de Clèves, le n'est pas sans ambiguïté. Si la princesse de Clèves renonce à l'amour, ce n'est pas seulement par conviction religieuse, c'est parce que dans l'aristocratie du XVIe siècle, en France, une femme doit tenir son rôle au prix de son bonheur pour ne pas déchoir. Ce n'est pas parier sur l'éternité, c'est payer le prix des privilèges de sa classe. Inversement, l'œuvre de Cao Suétine est un roman de la mise à plat des institutions. Sa matière est l'exposition des passions et des interdits en jeu dans une société, dans une classe sociale aussi étrangère au peuple que pouvaient l'être des créatures venues d'une autre planète. Depuis ces exemples anciens, la littérature n'a cessé d'être en marge de la morale officielle quand elle n'y a pas été diamétralement opposée. Il serait inutile et presque comique de vouloir chercher des exemples de conduite à suivre pour nos jeunes lecteurs et lectrices
dans des œuvres aussi peu recommandables que sont les romans de Dostoïevski, de Flaubert, de Sacré ou de Madame Colette. 在法国文学当中，十七世纪拉法特耶夫人所写的著名的《克莱夫王妃》，应该说是一部最富有教化意义的小说。但即使是这部小说，它本身也不乏暧昧之处。克莱夫王妃放弃了爱情，并非仅仅出于宗教的信仰，而是因为法国十六世纪的贵族阶层中，一个女人为了保住地位，就必须牺牲幸福，维持自己的身份。这绝不是为了永恒下的一份赌注，而是为了所在的阶层特权付出的代价。相反，曹雪芹的作品是一部摧毁制度的小说，他选择展现出那个特定时代的社会和阶级所有的激情和禁忌，而这一阶级对于我们普罗大众来说是那样的陌生，不低于外星的生物。从上述这些实例中，我们不难可以看出，从古典文学开始，文学就始终处于官方道德的边缘地带，甚至公然与之对抗。而我们的年轻读者们想要从不易推崇的作品中，比如说陀思妥耶夫斯基的作品、弗洛拜的作品、沙克莱的作品，或者克莱特女士的小说里去寻觅那种行为的榜样加以模仿，恐怕是徒劳的，甚至是可笑的。La littérature contemporaine s'est même fait une spécialité du déboulonnage des héros nationaux et de l'étalage des turpitudes du siècle. On chercherait en vain des modèles dans le personnage de Roquentin de la Nausée de Jean-Paul Sartre ou Meursault, assassin raciste de L'Étranger de Camus. Beckett, Hoe Kanzaburo, Philip Ross, Moyen ont créé de magnifiques types de canailles ou de bandits dignes des personnages du plus grand roman jamais écrit, Le Quixote de Miguel de Cervantes, modèle pour la littérature universelle. 所以颠覆民族英雄，展现时代的卑劣，甚至已经成为了当代小说的一种特色。妄想从沙特那部作品就是恶心的主人公罗甘丹，或是加缪《局外人》的主人公，也就是那个种族主义者的杀人犯摩尔索身上去寻找榜样，肯定是白费功夫。像贝格特、大江健三郎、菲利普罗斯、莫言，他们都塑造出经典的流氓甚至恶棍的形象。坑于世界最伟大的小说塞万提斯的《堂吉诃德》中的人物比肩，而《堂吉诃德》正是世界文学的典范。Dans une enquête publiée naguère par un hebdomadaire français, enquête reprise sur le célèbre questionnaire surréaliste « Pourquoi écrivez-vous ?», plusieurs écrivains répondirent des choses sensées ou amusantes. On aura retenu la réponse laconique de l'Irlandais Samuel Beckett, « Bon Kassa ». La réponse que je préfère est celle du romancier chinois Ba Tin, auteur de « Hatsu ». Parce que la belle vie est trop courte. Quel que soit le but poursuivi par l'écrivain, le romancier, le poète, l'homme de théâtre, il est vrai qu'il comporte cette part de regret, cette sorte de douleur sourde qui vient du sentiment du temps qui fuit. Il ne s'agit pas de nostalgie. La littérature n'a que faire de cette impression mélancolique fondée sur la réminiscence et la rumination. Même les écrivains qui semblent plus proches de cette complaisance en réalité en sont très éloignés. Proust, Lao Tseu, ni même les sœurs Brontë ne sont affligées de ce mal. Ce qu'ils écrivent n'a rien à voir avec la mémoire au sens limite de ce mot. Ils écrivent, quoi qu'il semble, sur le présent, leur présent, cette qualité de recréation qui est une sorte de pâte faite de souvenirs, de réminiscences littéraires et de projections dans l'avenir. Cette pâte pourrait en fait être tout simplement le sentiment du présent.
La belle vie est trop courte. Le travail, le bonheur d'écrire sont liés à ce besoin d'ajouter de la substance à la vie, non pour la faire durer, mais pour lui donner une matérialité qui la sauve du néant. 早些年，法国的一个周刊公布了一份调查，他提出了超现实主义者的一些著名的一些提问。这个提问就是说，你为什么要写作？许多作家就这个问题给出了自己非常机智的，甚至妙趣横生的答案。有人或许还能记得爱尔兰的那位作家贝克特，他的回答很干脆。他说问我为什么写作，他说我只能干这个。而我则特别喜欢中国的小说家巴金，也就是行业的作者，他的回答，他写作因为美丽的人生太短暂。的确，无论作者写作的目标目的如何，无论是小说家、诗人还是剧作家，都怀抱这份遗憾，一种深感时光流逝的无声的痛苦。我们所说的并非一种怀旧之情，文学与这种建筑于模糊记忆与城市之上的哀伤之情毫不相关。即使是看似与之最为亲近的作家，实际上都相距甚远，像普鲁斯特、老舍还有布朗特姐妹，他们不都不成为这种怀旧之苦所扰，他们所写的从来都与旧时的记忆无关，哪怕是最广泛意义上而言的记忆。他们所写的无论看上去如何，总是关乎于现在，关乎于他们自己的当下，这正是再创造的可贵之处。他仿佛把记忆，把文学化的回想与对未来的一份憧憬揉成了一团，而这一团混杂的情感恰恰正是活在当下的一种感觉。美丽的人生太短暂，工作也罢，写作的幸福也罢，通通与同一种需求相连，那就是要不断地充实人生。充实人生并不是为了延长寿命，而是为了让生命更富有实在的感觉，让生命能够解脱于虚无。 Écrire pour vivre. Toute écriture est enracinée dans la vie. Ce qu'elle met au jour est lié à l'être profond, intérieur, à l'être en mouvement. L'une des grandes romancières américaines, Flannery O'Connor, avouait ce lien entre l'écriture et sa propre vie. Ne disait-elle pas que tout ce que l'on sent, tout ce que l'on comprend, provient de cette période de l'existence située entre la découverte de la conscience à l'âge de 6 ou 7 ans et l'entrée dans l'âge adulte autour de l'âge de 15 ans. Tout, la beauté du monde, l'amour des autres, le sentiment de partage, mais aussi la haine, l'injustice, les désirs inavouables et les pulsions criminelles. Flannery O'Connor s'est servi de cette expérience brève de la vie pour nourrir une œuvre complexe et imaginative, remplie de passion et de frissons. Cela est d'autant plus remarquable qu'elle était très jeune, clouée au lit par une maladie incurable, et qu'en somme, elle n'aura connu de la vie que ce qu'elle a imaginé dans ses écrits. Pour la vie et la vie, pour écrire, donc, dans mon avis, toutes les œuvres sont dans la vie. La littérature présente toujours une profonde vie内心的存在与不断变化的存在紧密相连。美国有一位最伟大的女作家之一，她叫弗朗纳里·奥康纳，她也曾经肯定过写作与她人生的联系。她就这样说过，她说我们所感觉所理解的一切均源于人生的同一阶段，差不多是从六七岁意识到一种意识的觉醒，到十五六岁左右进入成人这么一个阶段。一切的一切，包括世界的美、对他人的爱、
分享的那种感情，当然也有仇恨、不公以及难以启齿的欲望和犯罪的那种冲动。奥康纳以他短暂的人生经历，孕育出了复杂多样而富于幻想和想象、充满了激情甚至震颤的作品。因为他很小的时候就患上了一种疾病，是一种不治之症，就困在了病榻。可以说他对于生命和生活的全部认识只是他作品中对生命的种种想象，这实在是非凡的一种创造。L'expérience de Flannery O'Connor, bien sûr, est extrême. La plupart des êtres humains, lorsqu'ils décident d'écrire, ont déjà eu connaissance directe des choses de la vie. Certains ont eu une existence aventureuse, comme Joseph Conrad ou Wu Cheng En, auteur des Pérégrinations vers l'Ouest. D'autres ont eu une double vie. Christine de Pizan, l'une des grandes poétesses de la Renaissance française, a pratiqué l'astrologie et la médecine comme son père. Marguerite de Navarre, auteure de l'Heptaméron, fut reine de Navarre avant d'être romancière. L'exemple le plus étonnant est peut-être celui de Colette, l'auteure du Blé en herbe et de Gigi, qui fut danseuse nue au Bataclan de Paris avant de se consacrer à la littérature. Mais ces exemples n'invalident nullement la profonde originalité de la littérature qui est d'être indépendante de la vie. Connexe, parfois perpendiculaire, mais toujours autonome, appartenant en quelque sorte à une autre vie, à un monde virtuel. 奥康纳的经历应该说是一个特例。大部分人在决定开始写作时，已经有了对于生活以及种种事物的直接的认识。有些人的经历比较惊险，比较曲折，比如说康拉德，或者说《西游记》的作者吴承恩。其他人只有双重的身份，比如说法国文艺复兴时期有一个女作家，一个女诗人，她叫克里斯汀·德·比桑。她跟她父亲一样，她从事的是占星学和药学的工作。像《七日谈》的作者玛格丽特·德·纳瓦尔，她在当小说家之前，她是纳瓦尔的王后。最惊人的例子就是法国的女作家克莱特，她写过《青鸟》还有《鸡鸡》。她在投身文学创作之前，她曾是巴黎巴塔克兰剧院的脱衣舞女。我举这些例子，丝毫不损害文学深刻的原创性。她独立于生活而存在，但同时，文学和生活相连。时而垂直相交，它始终保有自主性。从某种程度而言，文学属于另一种生活，另一个虚拟的世界。Pourtant, le lien existe entre la vie et la littérature. Comment comprendre sans ce lien l'influence profonde que les livres exercent sur nous? La littérature accompagne la vie des humains au long de leurs aventures et de leurs découvertes. Sans les récits épiques, que resterait-il des grandes conquêtes des peuples, de leur lutte pour la survie, de l'orgueil qu'ils ont trouvé dans leur histoire? L'histoire elle-même ne serait rien sans ces récits, parfois mensongers, souvent grandiloquents, toujours exaltants. La matière n'en est pas la mémoire, mais plutôt l'incantation. C'est une sorte de fascination collective que suscitent les mots, les images et les rythmes du langage. Shakespeare met en scène de grands personnages historiques, Coriolan, Julius César, Macbeth ou le jeune roi du Danemark Hamlet. Leurs amours, leurs trahisons, parfois leurs déchéances. Mais c'est au peuple anglais tout entier qu'il s'adresse et à travers eux, à tous les peuples de la terre, eux aussi sujets de tyrans et joués de caprices d'une histoire qu'ils devinent à peine. La vie est ce qui les unit à ces personnages légendaires, ce qui les rend familiers. 但是我们的生活或者与生文学的联系呢，它又是切实的存在着的。如果不是这样的话，那么如何来理解书籍对我们产生的巨大的影响？文学陪伴人类一路走来，伴随着人类
的每一次历险与发现，如果没有史诗的叙述，各国人民的伟大征服，他们为生存而进行的斗争，他们从历史中感受到那份骄傲，又该到何处去寻找？如果没有这些叙述，历史本身也将空无一物。尽管叙述本身有的时候真伪难辨，常有浮夸，但总是那么激动人心。它的原料并非是记忆，在我看来，它更像咒语，是用字词，也就是说，从话语中的每一个词、每一个意象、每一个形象、每一个节奏，唤起的某种集体性的迷醉。莎士比亚将伟大人物搬上了舞台，像柯利、奥劳纳斯、朱利优斯·凯撒、麦克白，或者那位年轻的丹麦国王哈姆雷特，他讲述他们的爱情、他们的背叛，还有他们的败落，但他诉说的对象是全体英国人民，有福有他们传递给世界。他们也可能是暴君的臣民，是不可料想的莫测历史的玩具。正是生活拉近了普通人与传奇人物的距离，让这些传奇人物变得可亲，可以理解。Mais les temps modernes ne sont plus à l'épopée ni à la tragédie. La littérature n'est plus l'écho des légendes, cette vague rumeur qui peut remplir d'effroi ou d'admiration, encore très proche du mythe. Les temps modernes sont aux anti-héros, à ces personnages de peu d'importance, tels que nous-mêmes, ces figures à la fois comiques et dérisoires qui nous ressemblent. La littérature invente les nouveaux Ulysse et les nouveaux Roland, les nouvelles Sibylles et les nouvelles Andromaques. Sont-ils si différents de leurs modèles? Ils savent ruser et mentir, ils savent séduire et triompher, ils savent aussi se perdre et se flanquer par terre. Ils savent nous faire rire, et c'est pourquoi ils nous émeuvent. 但是现代的社会已经不再是史诗或者悲剧的时代，文学已经不再是传说的一种回音，那些或是充满恐惧或是再到敬意的模糊的传说已经几近神话。现代的社会是反英雄的时代，现代社会属于我们一样这些无助群众的人，属于和我们相像的那些既滑稽又卑微的面孔。现代的文学在创造一个个全新的尤里西斯，一个个全新的罗兰，一个个全新的西比尔和安德罗马克。这些人物与原型真的相距甚远吗？这些人物会耍花招，会撒谎，他们会引诱，会得胜，他们也会失败，也会倒地，他们会惹我们发笑，但正是如此，他们使我们有所感动。Je me souviens de la première fois que j'ai lu un livre moderne. C'était à l'adolescence, au hasard de mes lectures dans la bibliothèque de quartier, où j'empruntais des romans sans rien savoir de leurs auteurs. Un court roman, traduit du norvégien, écrit par un auteur inconnu de moi, Johan Boyer. Le roman s'appelait « Le caméléon ». Il racontait les mésaventures d'un homme ordinaire que la faiblesse de caractère et les circonstances adverses poussé à se métamorphoser afin de se confondre avec le milieu qui l'entourait. Je sortais du monde de l'enfance où les personnages favoris de romans sont de grands aventuriers, des femmes audacieuses et ambitieuses, tels les héros de Dumas, de Stendhal ou de Balzac, qui sont prêts à tout pour conquérir le monde. Le caméléon de Boyer, pour la première fois, me donnait une juste mesure de la vie, qui est dans son ensemble plutôt médiocre et souvent ennuyeuse, où dominait le quotidien le plus banal. Mais ce qui n'était pas banal, c'était justement une telle perfection dans la médiocrité. Je crois qu'aucun livre ne m'a fait un choc comparable qui me préparait justement à la rencontre des romans réalistes, de Sartre à Beckett, en passant par Kingsley Amis ou Malaparte, ou bien sûr Franz Kafka.
我还清楚地记得我第一次阅读现代小说的一个经历。在我少年的时期，我在社区的图书馆去随意去阅读借来的小说，连作者是谁我也不一定清楚。其中有一本短篇的作品是用挪威语翻译而来的，作者我不认识。这个作者的名字叫约翰·伯约尔，小说的名字叫《变色龙》。故事讲的是一个普通人的不幸的遭遇，他因为性格的弱点和所处的困境被迫自我变形，以更好的和周遭的环境融为一体。从那一刻起，我终于走出了自己的童年世界，不再偏爱小说中伟大的探险家，或者是大胆无畏而野心勃勃的女人，就像大仲马、斯汤达或者巴尔扎克笔下的那些人物，他们时刻准备着征服世界。而恰恰是这部《变色龙》让我第一次认识到生活的本来面貌。其实生活是平庸的，常常是无聊的，其中满是乏味的日常的一些琐事，但恰恰正是这种完美的平庸显得非同寻常。我想没有哪本书带给我同样的震撼，让我准备好与现实主义的一些小说家去邂逅，比如说沙特、贝盖特，像金斯利、艾米斯或者是马拉波纳，当然还有卡夫卡。C'est sans doute l'un des acquis de notre époque que d'avoir combattu les mensonges d'une littérature courtisane et élitiste. Dans ce combat, le grand héros de la littérature est sans conteste Don Quichotte, le chevalier à la triste figure. Cet homme d'un autre temps, qui part guerroyer des moulins à vent qu'il prend pour des géants, en compagnie de son fidèle Sancho Panza, est notre héros préféré parce qu'il symbolise le combat contre les idées fausses de la chevalerie. Cervantes, aventurier, soldat avant d'être écrivain, il aura connu toutes les batailles avant d'être vendu en esclavage au roi de Tunis, mène son grand combat contre les mensonges de la littérature de cour, et particulièrement contre un des romans les plus nocifs de son temps, l'Amadis des Gaules, Amadis des Gallia, de García Rodríguez de Montalvo, publié 50 ans auparavant en 1533. Ce roman fut l'un des livres les plus lus de son temps, et servit de modèle aux conquérants espagnols qui partirent aux Amériques. Il fut à ce point néfaste que le vice-roi de la Nouvelle-Espagne, le Mexique, dut passer un édit pour interdire son importation dans les colonies. Ainsi, l'on voit la vérité triompher du mensonge grâce à la littérature. Il n'est pas indifférent de penser que chaque époque opère un ajustement et que l'un des rôles de la littérature est de faire émerger à chaque génération ce qui se rapproche le plus de la vie réelle, et aussi, ce qui n'est pas un moindre service, de dégonfler les baudruches imposées par les modes éphémères et les dictats politiques. 也许在我看来，打破宫廷文学和精英文学的谎言，正是我们这一时代的主要的成就之一。在这场斗争当中，最伟大的文学英雄当属堂吉诃德。那位神情忧郁的骑士，他来自于另外一个时代，把风车当巨人，在忠实的山丘潘萨的陪伴下启程去大战风车。他是我们最爱的英雄，因为他的行动象征着对骑士制度种种错误观念的斗争。塞万提斯在他成为小说家之前也是一个探险家，也当过兵，他在被卖给托尼斯的国王当奴隶之前，他也经历过很多的战斗。他作为一个作家，向宫廷文学的谎言宣战，尤其反对当时最为有害的一部作品，就是在他之前50年出版的那本叫做《高卢的阿玛迪斯》这部作品。这部小说当时非常的流行，也非常的有害，他成了当时出征美洲的西班牙征服者效仿的榜样。这部作品实在是太有害了，
以至于当时的新西班牙，也就是墨西哥的总督，也不得不颁布禁令，禁止这部书进入殖民地。由此我们可以看到文学是如何使真相战胜谎言的。我们不妨可以这么想，每一个时代我们都会做出一点点修正，而文学的作用，这是从每一代人发掘出最接近真实生活的那一部分。我们也可以从中看到文学如何以它的力量在突破昙花一现的潮流，或者政治独裁强加于社会的种种泡沫，而文学的这一贡献绝非无关紧要。 Écrire, exister. Ma réflexion a porté jusqu'ici sur la lecture, non par modestie, mais parce que je crois qu'un écrivain est d'abord et avant tout un lecteur. Si je réfléchis au lien qui unit ma propre vie à mon goût pour l'écriture, je vois en premier la lecture, dans la mesure où ce que j'écris ne peut être qu'un prolongement ou une variation sur les livres que j'ai lus et que j'ai aimés. Il m'est, je crois, assez difficile de dissocier mes sentiments vécus de mes impressions de lecture. Lorsque je pense à la conscience de soi, c'est d'abord l'image d'un chasseur engourdi par le froid qui observe le mouvement de ses doigts, tandis que le gel est en train de gagner son corps, que j'ai retenu de Cro-Blanc de Jack London. Quand je pense à l'amour, ce sont les mots que murmure Juliette, séparée de Roméo, dans la pièce de Shakespeare, qui me viennent à l'esprit. Nurse, sweet nurse, where is my love? Non, parce que j'ai le goût des citations, cette affection inguérissable des érudits comme de ceux qui manquent de culture, mais parce que d'une certaine façon, la littérature, que nous le voulions ou non, se substitue parfois à notre propre mémoire. 写作跟我们生存，到目前为止，我的思考一直都跟我自己的阅读相关，不是我谦虚，而是因为我相信每一个作家首先就是一位读者。回想连接我的生活与我对写作的热爱的纽带，我会首先想到我读过的书，因为可以说我所写的一切不过是我读过的喜爱的书目的一种延伸和变体。我觉得自己很难把体验到的感情和阅读的经历分割开来，比如说想到自我意识，首先映入我眼帘的便是我从捷克伦敦白雅里读到的那个丽人，他动得失去了知觉，看着自己的手指在动，而身子却渐渐的僵了。想到爱情，我脑海里浮现的就是莎士比亚作品中离开罗密欧的朱丽叶的那声低语 Nurse, sweet nurse, where is my love? 奶妈，亲爱的奶妈，我的爱在哪里？这不是因为我对引经据典有什么偏好，我发现通常博学之人和没有文化的人都对引经据典怀有无可救药的偏爱，而是因为无论我们是否愿意，文学常常会陪伴我们，以某种方式替代我们自己的记忆。 Les livres, les textes, les mots grandissent avec nous. Ils évoluent, changent de sens et de couleur au fur et à mesure que les strates de la vie se succèdent. Le langage est une part de notre être vivant, en perpétuel devenir. Je suis convaincu, comme Flannery O'Connor, que la plus grande partie de ce que j'écris est liée aux premières années de ma vie et que l'essentiel de cette mémoire était constitué avant que j'aie atteint l'âge de 20 ans. Pourtant, si je pense à mon enfance ou à ces années de l'aventure, au temps de la guerre d'Algérie, par exemple, ou la découverte des émotions liées à l'amour, ou encore les expériences de ma vie de jeune adulte dans la mégapole hostile et enivrante qu'était Londres au début des années 1960, je m'aperçois que je n'ai pas fini de puiser dans ce fond, qu'il est pour ainsi dire sans fond, et que chaque tentative de le mettre au jour aboutit à un résultat différent. 书、文章，那一词一句，对随着我们一同成长。当我们的生命步入了不同的阶段，
这些词、这些句、这些书、这些文章的内涵与色彩就不断地在发生变化。言语是我们鲜活的存在的一部分，它在永恒的不断地在生成。我坚信，我像奥康纳，就是那位女作家一样坚信，我笔下的作品大多与我早年的经历相连，这段记忆的根基早在我20岁以前就已经打下。但是当我回想童年，回想那些艰险的时光，比如在阿尔及利亚战争期间，又或是回想我对情欲的最初的体验，回想上世纪60年代初我在充满敌意而又令人陶醉的大都市伦敦度过的青年的时代，我发现我依然在这座矿场中汲取滋养。这样说来，它仿佛是取之不尽的，每一次让之重现的尝试都会得到截然不同的结果。Ce que j'y cherche et trouve parfois, ce n'est pas l'inventaire exact des faits, mais le sentiment de la vie. Que m'importe la couleur du ciel ce jour-là ou les successions des événements? Que m'importe la vérité historique? Je sais bien que de toute manière, aucun instrument, aucune plaque sensible, aucun enregistrement sonore ne pourront m'en restituer la réalité. Ces éléments de ma vie, ces visages, ces paroles, ces odeurs sont au fond de moi, dans un réceptacle incroyablement profond et compliqué, et seule l'écriture, par son balancement, par son pouvoir presque magique, est capable de les faire ressurgir. Il n'y a pas d'autre raison à ce besoin. Je suis en train de trouver, et parfois, je peux trouver. Ce n'est pas une liste de vérité, mais une sensation de vie dans la vie.那一天的天空是什么颜色？那一天到底发生了什么事情？这跟我没有什么关系。历史的真相与我也没有什么关系。我清楚，我也明白，无论如何，没有任何的工具，没有任何一张底片，也没有任何一段录音能帮我们重塑事实。我生命中的那点点滴滴，正是那些面孔，那些话语，那种气味，一一的深藏于我的内心深处，以难以置信的复杂的方式深藏在我们的心中。所以通过写作，也只有通过这一份份考量，通过写作这种近乎魔法的神力，才能够让这一切重现。这便是我需要写作的唯一的理由。C'est vrai, j'ai voyagé. C'est un luxe des temps modernes. Il y a 100 ans, c'eût été compliqué. Les frontières n'existaient pas comme aujourd'hui et l'on n'avait pas besoin de montrer ses certificats de vaccination ou ses relevés de compte en banque. Mais les frontières intérieures étaient encore plus intransgressibles. Arthur Rimbaud, l'homme aux semelles de vent, comme l'appelle Verlaine, après avoir imaginé des pays extraordinairement nouveaux grâce à ses poésies,décide de voir le monde, et c'est pour devenir trafiquant d'armes et de défense d'éléphants pour un misérable comptoir de commerce en Abyssinie. Les voyages que j'ai faits n'ont pas servi pour écrire mes livres. En fait, ce serait plutôt l'inverse. Je n'écris jamais aussi bien sur la mer que lorsque je suis au Nouveau-Mexique, dans le désert américain, à 2000 kilomètres des deux océans. Assis à ma table, éclairé par une fenêtre qui donne sur un mur,Je peux imaginer le fond des mers visité par les pêcheuses d'ormeaux de la petite île de Jeju au large de la Corée. J'ai écrit procès-verbal dans l'arrière-salle d'un café de Nice et l'Africain dans un cubiculum sans fenêtre à la très grande bibliothèque de Paris. Il me semble parfois que c'est dans cette contrainte et sous la pression obsédante des murs que je puis le mieux puiser dans la part la plus vivante de ma vie, qui est faite de mots et de phrases en mouvement, souterrains,comme les veines de lave qui animent les solfatars. 确实我跟大家一样也喜欢旅行，这个是我们时代的一个最大的便利。但是在100年之前情况要复杂得多，诚然那个时候还没有现在所谓的一个条国界，人们也无需出去，
疫苗的证明或者银行账目的详单，但是内心的边界却更加难以跨越。法国有一位诗人叫兰波，他通过诗歌描绘出想象中的全新的国度，之后他决心去看看世界，他可惜最终成了阿比西尼亚一家可悲的商会里去走私军火和象牙。我旅行的目的不是为了写书，应该说事实正好相反。我写大海写的最好的时候，恰恰是在新墨西哥州，是我身处美国的荒漠之中，远离两片大洋的2000公里之外。我坐在竹边，映着正对面一堵墙的一个窗户照进来的光线，我可以想象一片海底，在韩国的海域，在小济州岛，有那些海女在捡鲍鱼，她们潜游在海底。我第一部小说《诉讼笔录》是我在尼斯的一家咖啡店的后厅写成的，而我写的《非洲人》这是在巴黎巨大无比的国家图书馆一间没有窗户的小隔间里写的。有时候我觉得只有在这种压抑之中，在墙面违和那种无可逃离的压迫感之中，我才能最大限度地汲取生命当中最富有生机的那一部分。这一部分由暗暗涌动的词语构成，仿佛地下的熔岩滚滚气浪喷涌。On oppose parfois l'écriture littéraire à l'action. L'une serait dans le temps de la réflexion, dans la lenteur et la précaution. L'autre empoignerait la vie à pleine main afin de changer la société pour le meilleur, parfois pour le pire. Cela est sans doute vrai pour notre temps. La classe intellectuelle s'est constituée, particulièrement en Europe, comme un groupe de privilégiés, en marge du pouvoir politique, frileux de conserver son confort. Ce fut le constat désabusé du philosophe italien Gramsci à l'avènement du fascisme, et il reste valable. Sans doute, le combat des écrivains est aujourd'hui plus difficile à comprendre. Si l'écrivain s'oppose au pouvoir, c'est d'abord au nom des libertés individuelles, afin de réaliser sa propre vérité, son équilibre intérieur. L'on a sans doute changé par rapport à l'époque des engagements spectaculaires, parce que ces engagements, rappelons-le, furent parfois, comme dans le cas de Sartre ou de Evtuchenko, des erreurs spectaculaires. 有时我们会把文学跟行动把它对立起来，认为文学属于沉思的时刻，是缓慢而谨慎的，而行动则能够牢牢地扼住生命，要去改变世界，无论是好还是坏。今天看来这样说也许没有错，像知识分子的阶层，尤其是在欧洲，是由一群特权者组成的，他们身处政治的边缘，谨小慎微，想努力保住自己的安逸生活。像意大利的哲学家葛兰西，在法西斯掌权者前夕，他就富有洞见的这样指出过，他说的这番话今天看来依然不失其效力。也许今天的作家斗争更加难以理解，如果作家与权力对抗，那首先是以个人的自由之名，是为了践行自己的真实和内心的平衡。相比于轰轰烈烈的介入年代，情形今天或许已经不同，因为我们不应该忘记，当时介入有时也难免是轰轰烈烈的错误，比如沙特和伊夫·图申科就是这种状况。Ce que me donne l'écriture est avant tout une satisfaction individuelle. La littérature m'aide à vivre. Elle me donne le sentiment de la vie. De ce bonheur égoïste découlent toutes les qualités humaines. Non par l'exemple, ce serait bien présomptueux d'imaginer l'écrivain dans un rôle de prophète. Et du reste, ses prophéties seraient parfaitement suspectes. Simplement, je perçois la densité de l'existence à travers les mots.
parce que la littérature invente un partage. L'humanité du langage est universelle. Où qu'il soit, quelle que soit sa vie quotidienne et sa destinée, le lecteur trouve dans la littérature un moyen de mieux se connaître et de mieux connaître l'autre, c'est-à-dire de ressentir le lien qui l'unit à la grande famille des humains. 写作给予我的首先是一种个人的满足，文学帮助我生活，它给了我一份活着的感觉。正是在这种自私的幸福感当中，涌现出了种种人性的闪光。文学并非以范例的形式，想象一个作家承担有先知的角色，这难免是有太自负。况且作家的预言绝对可疑，很简单，我只是从词语当中感受到了生命的密度，因为文学创造出分享的可能，使用语言是人类相通的，无论他身处何处，无论他的日常生活如何，无论他有怎样的命运，读者都会在文学中找到更好的认识自己，更好的认识他人的一种方式。换一句说，都会感受到他与人类大家庭连接在一起的那根纽带。谢谢大家。